Les cigares du pharaon. Quatrième épisode. Alors que Tintin et Milo étaient partis pour une longue croisière en direction de Shanghai, archéologique et de contrebande de troc. Après une traversée houleuse du désert arabique, Tintin a été contraint de s'enrôler dans une garnison. Il venait de trouver des cigares marqués du signe du pharaon Kiosk dans le bureau du colonel. Lorsque découvert, il a été condamné à mort pour espionnage. Sauvé par les Dupont, Tintin a pu s'enfuir en avion. C'est en Inde qu'il a atterri. Là, dans la jungle, il a retrouvé le professeur Cyclone. Mais celui-ci semble avoir perdu la raison. Avec l'aide de ses nouveaux amis, les éléphants, Tintin tente de rejoindre un endroit où le faire soigner. Là-bas, j'aperçois la terrasse d'un bungalow. Approchons-nous, vieux frère. Bonjour, monsieur. Excusez-moi si je vous dérange. Mais voilà, j'ai trouvé cet homme errant seul dans la jungle. Hey, mon scotch. Il a visiblement perdu la raison. Savez-vous s'il y a un médecin à proximité? Vous avez de la chance. Le docteur Fini est justement en tournée dans le district. Je peux le faire appeler tout de suite, si vous voulez. Vraiment, ce serait très aimable à vous. Quelques instants après... Et voilà toute l'histoire, docteur. Pensez-vous que cet homme pourra un jour recouvrer la raison? C'est possible. En tout cas, il faut qu'il soit conduit immédiatement dans un asile. Il y en a un, à 30 milles d'ici. Son directeur est un de mes amis. Vous pourriez lui amener le malade demain, qu'en dites-vous? Si vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En attendant, une petite réception. Vous pourrez faire ainsi connaissance avec la Society du District. Avec plaisir, Major. Je vous présente notre sympathique pasteur, Mr. Peacock. How do you do, sir? Et voici Mrs. Hunt, Mr. Snowball. Hello. Nice to meet you. Enchanté. Notre célèbre écrivain, Mr. Slotsky. Bonsoir. Ravi de faire votre connaissance. Vous comprenez, nous aimons nous retrouver de temps en temps entre nous pour jouer au bridge et porter un toast à notre cher roi. George V. Ah, je vois. Mais dites-moi, Major, quelle est cette arme curieuse qui est accrochée au mur? Serait-ce un poignard hindou? Il s'agit d'un kutar à l'arme dite langue de bœuf. Je l'ai reçu d'un fakir qui m'a assuré que cette arme avait le pouvoir d'aller se planter d'elle-même devant toute personne menacée d'un grave danger. Attendez, je vais vous la faire voir de plus près. Je suis désolé, il m'a échappé. Comme c'est étrange qu'il se soit planté devant vous. J'espère que vous ne ferez pas là un sinistre présage. Mais pas du tout, Major, rassurez-vous. Ce n'est qu'une pure coïncidence et puis... Je ne suis pas impressionnable à ce point. Ne vous inquiétez pas, mes amis, ce n'est que le vent. Nous allons avoir une tornade ce soir. Oh, my God! Qu'est-ce que c'est que ça? Cela venait de la chambre du professeur Cyclone. Vite! Plus personne. Il a dû sortir par la fenêtre. À moins qu'on l'ait enlevé. Oh, mais c'est ma femme. Elle s'est évanouie. Allongeons-la sous ce canapé. Personne. L'agresseur a dû s'enfuir. Oh, my dear. Reprenez vos esprits. Tout va bien. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, un fantôme. J'ai vu un fantôme. Quelle horreur. Le poignard. Comment ça, le poignard? Je l'avais posé là sur la table. Il a disparu. Saïd! Saïd! J'ai vu un esprit.
un esprit tout blanc qui courait dans la forêt. Drôle de fantôme qui a besoin de s'emparer d'un poignard. Malheureusement, impossible de le poursuivre cette nuit. Le temps est trop déchaîné. Nous verrons demain matin. En attendant, prenons un bon whisky. Le lendemain... Essaie de ne pas perdre sa trace, mon vieux Milou. Son chapeau... Nous sommes sur la bonne piste. Drôle de couvre-chef tout de même pour un explorateur. Je me demande comment il m'irait. Alors, Milou, comment tu me trouves ? Attends, attention, derrière toi ! Sapristi ! Il va mourir, démon ! Non ! Mais ma parole, il est fou ! Il faut que je parvienne à lui reprendre ce poignard sans quoi ! Professeur, regardez là-bas. N'est-ce pas le dieu Osiris ? Osiris ? Où ça ? Donnez-moi cette arme ! Et voilà ! Mon poignard, je veux mon poignard ! Pas question. Si. À son âge, pleurer comme un bébé. Et maintenant, vous allez me dire pourquoi vous avez cherché à me tuer. Allons, répondez. Ce n'est pas moi. Ce sont les yeux. Les yeux ? Quels yeux ? Quels yeux ? Oui, je me souviens. Non, mes yeux ne te verront plus. Oh non, voilà qui non, remet ça. Mes yeux ne te Ramsès II, vous allez immédiatement retourner auprès de ses yeux. Allons, ah, en route. Ah bah oui, d'accord. Viens, Milou, suivons-le à distance. Peut-être que nous aurons la clé du mystère. Les yeux. Mais qui est ce fakir ? Tintin est-il mort ? Non, il n'a pas voulu se laisser tuer. Incapable ! Eh bien, j'emploierai l'homme qui écrit. Il sera sûrement plus obéissant. Et lui, au moins, n'aura pas besoin d'être hypnotisé. Où les mains ? Tintin ! Vous allez me suivre jusqu'au bungalow du major pour que nous éclaircissions tout cela. Entendu ? Mais ne me regardez pas comme ça, enfin. Je... Oh, vous... Oh, ses yeux... Je te tiens, sale fouinard. Oh, le mignon petit jouet. Quoi ? Où suis-je ? Bon sang, il a pris mon revolver. Tous aux abris. Oh, il n'y a plus pif-paf. Oui, voilà, fini de jouer. Maintenant, tu viens avec moi. Et pendant ce temps-là, le fakir a disparu, évidemment. Bon, laissons-le courir et allons chez l'homme qui écrit. Cela ne peut être que Zlotsky. Quelques minutes plus tard... Je vais être franc avec vous. On en veut à ma vie. Alors vous allez me dire tout de suite ce que vous savez à ce sujet. Moi ? Mais je ne comprends pas. Pas de mensonge. Parlez, et plus vite que ça. Sinon, pif paf. Attendez, attendez, ne tirez pas. Je vais parler. D'accord. À vrai dire, je ne sais pas grand-chose. Il s'agit d'une bande internationale de trafiquants de drogue. Ce sont eux qui cherchent à vous supprimer. Et vous faites partie de cette bande ? C'est-à-dire... En fait, il y a ici certains membres de cette organisation. Ils vous ont reconnu, alors ils ont télégraphié au chef. Et qui est ce chef ? Attendez... Cet homme a été très surpris de vous savoir toujours en vie. Il a donné l'ordre de vous faire disparaître. C'est le fou qui devait vous abattre, et c'est dans ce but qu'il a été hypnotisé. Bon, mais alors quel est le nom de ce chef ? Je ne peux pas vous le dire. C'est impossible. Il punit de manière terrible tous ceux qui le trahissent. Mais je dois savoir ! Il s'appelle... Quelqu'un était derrière les persiennes. Vite, rattrapons-le. Je suis déjà puni. C'est la vengeance de la bande. La fléchette qui m'a piqué est empoisonnée au suc de Radjaïdja, le poison qui rend fou. Le poison qui rend fou ? Le chef ? Son nom ? Dites-le-moi, vite ! Il était une bergère, héron, héron, petit papa. Allons, les enfants, la récréation est finie.
Qui peut me dire qui a succédé à Ramsès II? Moi, monsieur, moi, monsieur. Maintenant, ils sont deux à être complètement siphonnés.